Ta-da-dum, ta-ta-dum, ta-da-ta-tum-tum. Bonsoir. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est en live. I'm not sure, but I think, yeah, we are in live. Yes. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son du jeu n'est pas trop fort? Est-ce que vous voulez que je le baisse? Est-ce que vous voulez que je le monte? Dites-moi tout ça avant qu'on démarre. Dans tous les cas, moi je vais le baisser dans mes oreilles. Parce que c'est beaucoup trop fort, sa mère. Voilà, très bien. Dites-moi donc, un petit peu, chers amis, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que niveau sonore, on est bon? Attendez, pendant ce temps, je vais juste. Ah merde alors. Attendez, j'ai un problème de type tableau de bord. Tchac, 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 tchac. Attendez, je configure les trucs, j'ai lancé le truc un peu à l'arrache, donc bon, forcément. Folseman, c'est pas le top. What? J'ai ma coquille lag ou comment? Alors je vous préviens, ça risque d'être la merde parce que ceux qui ont suivi, hier j'ai renversé du jus d'ananas sur mon clavier et comme par hasard c'est pile poil sur mes touches genre Maj, Contrôle, etc. Ce qui fait que elles ont du mal, tu sais, elles sont lentes mes touches maintenant. Donc c'est tout sauf rassurant. Ce qui pour sprinter et tout c'est la merde. Mais bon. Son du jeu un peu fort, m'a-t-on dit. Je vais le baisser un poil dans ce cas. Je sais pas pourquoi, je vais afficher une page et ça veut pas me l'afficher. Twitch fait de la merde. Allô, Twitch, on se réveille. Twitch qui dort. J'adore ça. J'arrive pas à avoir accès à mon panel. C'est génial. C'est génial, c'est trop bien. Trop trop bien. C'est trop 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 bien. On adore ça. Ah, ben voilà. Pas compliqué quand même, Twitch, merci. Bien, et donc, bah voilà, mesdames et messieurs, on est parti pour la saison 4 de Fortnite qui vient d'arriver ce matin. Et alors, je me suis pas spoilé, faut savoir que j'ai pas vu les trailers, j'ai pas vu les potos qui étaient partis en stream et tout. Mais déjà, quand je vois le fond, je suis en mode, oh my god, ça a l'air trop cool. Donc voilà. Donc d'abord, on va un petit peu regarder le pass de combat, avant toute chose. D'ailleurs, je suis déjà niveau... je suis déjà palier. Ah, mais je suis au palier 6 gratuit, très bien. Alors attendez, parce que comment est-ce que déjà on chope le pass de combat? Je sais même plus. Il est là le pass de combat. Voilà, acheter le pass de combat. Oh, je veux le prendre. Ah, c'est 950 V-Bucks. Oh. J'en ai pas assez. Oh. Tristesse. Bon. 2 minutes. 2 minutes. Pigeon, 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 pigeon. Hop, 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 hop. Voilà, on apprécie. M'en fous, c'est la YouTube monnaie. Elle est là pour ça. C'est la Twitch monnaie même. Voilà, confirmer la commande. Merci. J'ai mes V-Bucks. Merci. Donc, passe de combat. Voilà. Merci bien. Voilà, comme ça au moins. On va pouvoir voir et en plus on pourra débloquer. Merci. Oh! 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 J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Oh! Mais dites donc, on a eu déjà des skins sympathiques. Palier gratuit. Laissez votre empreinte. Le bucks. Dynamite. Putain, j'ai eu masse de trucs. Trop bien. Alors déjà, tu sais quoi, on va aller dans le délire super-héros tout de suite. En fait, je l'avais pas lui non plus. Les mecs, on dit on se croirait dans Halo là pour le coup. Là, on prend lui tout de suite, c'est quoi ça? Tenue aléatoire. Oh, sympa l'idée. On prend lui tout de suite. Alors comme j'ai dit, ce sera un live découverte. Full, full, full découverte. C'est quoi ça? Ça, je l'avais pas. On va rien mettre, c'est quoi pour changer? Ça va être un live vraiment full découverte. Du truc, tu vois. Parce que voilà, donc il n'y aura pas de best-of ni rien, c'est vraiment en mode on découvre. Alors le pass de combat, voyons voir un petit peu ce qu'il nous propose. On a pas mal de choses. Oh, on a un planeur friandise ici qui a l'air sympa. Alors je vous avoue ce qui va m'importer surtout les planeurs, les accessoires, les trucs comme ça. Oh, regarde-moi ça. Rétro-futuriste. C'est pas mal. Ouais, j'ai fait un top 1 hier soir, ouais. Mais bah, du coup, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le mode rediff. En vrai, je pourrais même vous le montrer mon top 1. Attends. C'est pas mes parties ça. Attends. Ah si, il est là. Top 1.
Pourquoi élimination 0, what the fuck, pourtant. Date 8 secondes. Non, je comprends pas. Non, durée. Je sais pas comment ça marche, mais en gros, normalement, ça va gagner. Mais je pense que je vous la diffuserai, donc. Donc voilà, j'espère juste que ça va pas erase tout le truc, quoi. Bref, passe de combat. Donc ça, on a vu. Ça. Sympa. J'aime bien les skins féminins aussi. Plutôt sympa, j'aime bien. Donc ça m'intéresse bien. J'en ai rien à foutre. Merci, Choose the Game, qui reçoit pour le 5e mois consécutif. Ça fait plaisir. C'est trop mignon, cette merde. Ce truc est trop mignon. Je veux ce truc. Ce truc est la mignonnerie incarnée. Attends, parce que j'ai Twitch qui fait de la merde comme d'hab. Voilà. Ce truc est la mignonnerie incarnée. Ah, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Mais en même temps, c'est du Fortnite. C'est la saison 4, ça m'étonne pas. Ok. Oh. Oh, ça, je le veux. Oh, ça, je le need. Oui, parce que alors, depuis la dernière fois que j'avais pris mon pass de combat en saison 3, j'avais pas bien compris comment ça marchait. Maintenant. En fait, depuis qu'il y a le mode rediff, je joue beaucoup plus sans vous. Parce que je sais que s'il y a un truc qui est loupé, au moins vous le verrez quand même. Tu vois, potentiellement. Donc voilà. Ouais, ça c'est pas mal. Oh, ça c'est cool. Ah, oh, j'aime bien celui-là. J'aime bien. On continue de regarder, Oh, c'est Harley Quinn. Le chaos passe mieux quand il est tout couvert de sucre. Ouais, c'est Harley Quinn, quoi. Un chat. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, pour l'instant j'aime bien. Oh, les éclairs. Plutôt pas mal, les éclairs. Plutôt pas mal. Vous avez le son, hein, rassurez-moi, parce que je vois quelqu'un qui me dit qu'il a pas de son. On a un petit sac comme ça aussi. Plutôt sympa. Là, il y a une danse. Plutôt rigolote. On a un crap. Oh, on fait voir ça. Oh, avec des cœurs. Oh, c'est beau. C'est beau. Magnifique. Bah écoutez, il y a l'air d'avoir pas mal de petits trucs sympathiques. Hein. Encore un petit planeur. Donc ouais, donc on est bel et bien parti dans le délire super-héros. Hein, ça, j'ai l'impression. Oh, ça, je le veux. L'étoile filante, c'est trop stylé, je trouve. On a le chef de section, ok, donc ça c'est un truc un peu plus classique, on va dire. On a une danse groovy. Très bien, j'aime bien la musique. J'aime bien la musique. Et le palier 100, on a Omega. Waouh, il est plutôt classe. Ok, très bien. Eh ben écoutez. Ah, début explosif de la saison 4, la comète s'est écrasée, la carte a changé. Bah justement, c'est pour ça que je veux pas vous faire de cut sur cette vidéo, c'est l'idée, c'est de découvrir ensemble la saison 4. Nouveau passe de combat, ajoute des aérosols. D'accord. Eh ben écoutez, survivre aux adversaires en section, finir dans l'autobus en section. Ah. Eh ben on va peut-être partir en... Ah, ça a changé. On va peut-être partir en section juste pour faire les défis quotidiens. Parce que alors clairement, cette saison-là, je vais la jouer en mode passe de combat. J'ai envie d'arriver palier 100 pour avoir tout, pour débloquer tous les trucs. Donc voilà, donc on va aller en section pour l'instant. Juste les premières games, histoire de faire nos défis quotidiens. Voilà. Dommage de devoir racheter le pass de combat à chaque saison. Après, dites-vous aussi que Fortnite est un jeu qui est gratuit, qui vous propose du contenu vraiment très cool, des mises à jour très régulières. Il faut bien qu'ils se fassent leur argent quelque part, quoi. Donc, j'ai envie de dire, voilà. Je suis... Ouais, j'aime bien le skin. Alors, ok, ma touche sprint marche toujours. Non, parce que je vous avoue qu'avec le... Il faut que je me rachète un clavier, du coup, je suis dégoûté. Avec le truc. J'aime bien le skin. Regarde Dusty. Wouah, Dusty. Alors attendez, parce que j'ai un problème avec la touche tab. C'est que la touche tab est restée enfoncée. Oh putain de merde. Ah, c'est bon. Ah, vite fait quoi, la touche tab est restée enfoncée. Ah, j'ai mon clavier qui est mort, je vais l'en racheter aujourd'hui. Quelle horreur. J'avoue, Dusty, putain, ah ouais, il y a le cratère. Bon alors par contre, est-ce que ça vaut le coup d'aller direct à Dusty? Bah je suis pas sûr, tu vois, parce qu'à mon avis, il y a absolument tout le monde qui va aller à Dusty. Donc on va peut-être pas aller à Dusty tout de suite. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais est-ce que j'ai des mates avec moi? Bah non, parce que j'ai mis ne pas combler comme un con. Est-ce que tout le monde va drop à Dusty, tu penses? Je sais pas. Bon, on va aller là-bas. On va pas aller Dusty directement. Ah, la prison, il y a un cratère. Ah ouais, il y a un cratère à la prison, exact, là-bas. Exact. Il y a plein de petits trucs qui ont changé, c'est cool. Peut-être aller à la prison, tiens. Je sais pas. Parce que Dusty, Ah, mais il y a quoi à la place? Oh, là, on joue pas pour la perf, hein, on regarde juste un peu. Putain. Ce que j'aime bien, parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans... Alors, on va aller à Celtic. Voilà. J'ai vraiment l'impression d'être dans haut, tu sais, avec les extensions où ça bouge à chaque fois. C'est trop cool. J'aime beaucoup. Bon, donc on est en section 1, je tiens à le rappeler. Mais on va y aller, vous inquiétez pas. C'est juste que j'avais pas envie de drop dessus. Directement, de toute façon... Hein. Ne vous inquiétez pas, on va avoir le temps.
de checker ça. Putain, par contre, mes touches de clavier, c'est une horreur. Je vous avoue que je risque de galérer à mort. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, j'ai renversé du jus. Mais c'est pile poil sur le partie gauche de mon clavier, donc c'est toute la touche maj, le tab, tu vois. Donc je suis content. Je suis vraiment content. Je suis vraiment très content. Ah ouais, putain, la cam est pas au bon endroit, c'est vrai. Je vous changerai à la game d'après. Je vous changerai à la game d'après, pas de soucis. Très bien. Donc c'est vraiment parti sur un délire super héros hein, pour le coup c'est confirmé si jamais bon, enfin moi je m'étais pas du tout informé je vous avoue donc voilà je ne m'étais pas du tout informé donc on va aller voir hein, directement vous inquiétez pas de toute façon ouais. On va être obligé de passer par là donc c'est parfait on va voir ça. Je crois que ma touche tab c'est une horreur. Vous avez pas idée, ma touche tab c'est une horreur absolue. Il faut que tu regardes les défis du pass. Bah c'est ce que je fais justement les mecs hein. C'est pour ça que je suis en section. Ça me demande de faire une partie en section et de finir dans les dans le top 12, un truc comme ça. Enfin il y a deux défis en section là pour l'instant donc on va faire un peu de section pour l'instant. Ne vous inquiétez pas. Mais ouais la mage c'est cool quoi. C'est très très cool. Allez on est parti. Bon, on risque de se faire ouvrir, on est seul. Solo versus squad, c'est parti. On va faire 40 kills. Lol, nope. Mais c'est pas grave. Que penses-tu du pass de combat? Franchement, j'aime bien ce qu'il y a dedans et j'aime beaucoup le dernier skin. Le dernier skin me tombe bien vu que j'avais pas eu les autres skins. Ah, j'ai pas regardé la boutique, s'il y avait dans la boutique, ceci dit, mais... Mais bon. Ça me tombe bien. Honnêtement, j'aime plutôt bien. Vraiment. Alors... Moi je fonce à la météorite. Je fonce à la météorite. C'était pas les défis du pass de combat. Il m'avait semblé que si, parce que c'était ceux du bas, mais au pire on s'en fout. Ah, c'était peut-être les défis quotidiens. Bon, tant pis, ça me fait quand même des points. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. C'est bizarre parce que hier j'ai fait mes défis du pass de combat précédent, ils étaient en bas à la même place, donc je sais pas. Ah, voilà, on y est. Putain, c'est beau quand même. C'est quand même... Ah si, à mon avis, on va crever. Il va y avoir tout le monde ici, mais... C'est stylé. C'est trop, trop... Regarde, avec les voitures et tout, en mode, nope, tu peux pas passer. Ah, j'adore. Ah, oh, regarde, il y a des... On voit plein de petits trucs. Est-ce qu'il n'y a pas un coffre là-dedans? Il y a plein de petits... Regarde. De petits éclats par terre, c'est trop classe. Déjà, alors simplement avoir une zone comme ça un peu marron, moi je trouve ça cool parce que c'est un des reproches que je fais à Fortnite. C'est que la map, bon, c'est vert partout, tu vois. Genre, moi j'aimerais trop une partie désertique ou alors une deuxième map même, mais j'aimerais trop. Est-ce que ça se récupère ça? Oh! Ça fait quoi de faire ça? Prends les petits éclats de minerai au sol, ça fait quoi? On les prend, mais. Je sais pas à quoi ça... Oh regarde. Je suis entouré d'une aura. What? Attendez, je crois. Attends. Oh, trop stylé. C'est trop cool. Alors, est-ce que les éclats vont rester là pendant toute la saison? Je pense pas. C'est génial. Est-ce que je peux sauter de plus en plus haut ou à bout de, ou là c'est bon dès que je brille? Trop cool. Trop trop stylé. J'adore. C'est génial. Putain mais regardez. Ah même les bâtiments et tout, c'est génial. Ah l'endroit est génial. Ah putain, coup de cœur déjà de la zone. C'est trop trop classe. Je sais pas combien de temps ça dure par contre ça mais... C'est... Ça y est, on est dans Call of les mecs. Avec les... Ah, ça y est, je peux plus. C'est trop cool.
Tu peux pas prendre l'hélico? À quand des véhicules? Non, peut-être jamais. C'est futuriste. Ouais, mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Franchement. Par contre, excusez-moi, mais ils sont où les mecs en fait? Parce que. Je sais pas, on est quand même dans la zone du truc. Et je vois personne. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'aime beaucoup cet endroit. Hein. J'ai peut-être pas encore tout vu. On va aller voir ce bâtiment là-haut. Mais. Il y a une nouvelle ville sur la map. Où ça? Risky Hills? En haut à droite? Non. Ça a été peut-être déjà. Je sais plus si c'était peut-être ça. On ira voir. On ira voir, on ira voir. Dirait Subnautica. Ah! Je vois ce que vous voulez dire. Ah, mais il n'y a pas besoin d'en prendre 50 en fait. Là. Oh, mais c'est. En fait, c'est. Ah ouais, trop classe! C'est l'ancien Dusty qui est complètement mort. Ah, c'est stylé. Ah, franchement, ouais, ils sont galés. C'est très, très, très stylé. Risky new map. Ok, ouais, très bien. Je dois bien avouer que. Je dois bien avouer que c'est si. Attends que j'ai le pouvoir. Ah, tant pis. Mets le fort de poche pour ton défi passe de combat. Ah! C'est dans le défi? Bah attends, parce que. J'aimerais bien quand même pas non plus le gâcher pour rien, quoi. On va voir, mais je le poserai. Vous inquiétez pas, même si c'est la merde, je le pose. Histoire qu'on soit bon. Bah écoutez, on va aller voir à Risky Rails. Vous inquiétez pas, je vais le poser. Faudra que je re-regarde ensuite dans le menu où est-ce que c'est les missions du pass de combat. Putain, mais c'est mort, quoi, y a pas un chat. Ils sont où tous? C'est dingue. Pas un chat, les mecs. Personne à l'horizon. Sinon, on en parle que j'ai eu une Scar en popant. C'était pas mal. C'était sympa. Ah, non, il y a du. Il y a du build. Mais. Comptes-tu essayer un jour Subnautica? Je sais pas du tout. Fait plusieurs années qu'on me le propose, mais. Je sais pas, j'ai jamais eu le. L'occasion, on va dire, d'essayer. Ah, mais j'irai pas voir Risky Reels cette fois. Prochaine partie, je dropperai là-bas si vous voulez. J'en ai rien à foutre! Tiens! Au moins, le défi est rempli. Ah, d'accord. Il était où le mec? J'ai pas vu le mec. Bon, bien joué, allez. Pas grave, au moins j'ai rétabli le truc. Par contre, j'ai vraiment un problème avec mes touches, les mecs, je vous jure. C'est une horreur. Alors, du coup, attends. Elles sont où les. Refais voir, attends. Les. C'est ça les défis du pass de combat, on est d'accord? Tirer dans les lieux différents? Je sais pas. C'est les adversaires. Faire partie avec des amis. Attends. Ah ouais, d'accord, vous les regardez comme ça, vous les défis. Pourquoi moi j'ai jamais regardé comme ça les défis. En fait, moi à chaque fois que je regarde. Vous me prenez un truc. Chaque fois que je regarde mes trucs, moi je regarde là en fait. Je regarde juste les trucs là. Je regarde pas les trucs ici. Alors que je devrais effectivement regarder ici plutôt. Certains voulaient voir la boutique d'objets. Tiens, voilà. Oh putain! Trop classe. Il est trop classe! Il est trop classe! J'adore! Mais du coup, tu vois, genre. Enfin, c'était où votre histoire du fort? Je sais pas où vous l'avez vu en fait. Certains m'ont dit de faire le fort et tout. J'ai pas. J'ai pas su. Bon, on va partir un peu en solo. On est reparti. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir.
Ta cam, ah oui, ma cam, c'est vrai. Ouais, mais non, mais ma cam, je la laisse là. Faites chier avec ma cam, parce que ma cam, j'ai pas la bonne image et tout, je peux pas la mettre ailleurs, les mecs. Oh, tant pis, tant pis. On la laisse là. C'est pas grave. Pour ce stream, vous allez pas en mourir. J'ai fait des dizaines de live Fortnite comme ça. C'est pas grave. On va pas en mourir. Hop là. Défi semaine 1, le fort. Ok. Bon, je regarderai, mais. C'est pas grave. Alors, vous dites qu'il y a un cratère à Tilted. Certains disent non, j'ai pas l'impression, ça, pour le coup. On va aller voir la nouvelle ville. Voir un petit peu ce que ça donne. Putain, mon clavier. En vrai, ça va m'handicaper un peu pour jouer cette histoire de clavier. Mais bon, allez. On va pas s'apitoyer sur notre sort, on y va. T'as mis combien dans Fortnite? Pas tant que ça, je pense. Ça doit être quelque chose genre. Ça, pas tant que ça. Je sais pas. 200 euros, je dirais en tout. Ce qui reste une somme, mais je connais des gens qui mettent beaucoup plus, quoi. Donc, ah, des fois, j'ai acheté des V-Bucks, quoi. Donc, je dirais à peu près ça, quoi. Alors, est-ce qu'elle est bien cette ville au moins? Ou est-ce que c'est vraiment de la merde? Parce que, bon. Je sais pas, tu vois. Je sais pas du tout ce que ça vaut cet endroit. Il y a un petit cratère, d'accord. Non, j'ai pas vu le nouveau Avenger. What? Ah mec, j'avais rien, je pouvais rien faire. C'est quoi cet endroit vert comme ça? C'était un fond vert, j'ai pas eu le temps de comprendre ce que c'était. Pas tant que ça, 200. Les mecs, encore une fois, vraiment, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gamins qui m'écoutent. Encore une fois, relativisez ce que je dis. 200 euros, comme je l'ai dit, c'est une somme. Mais dites-vous bien que les mecs que vous regardez tous les soirs en stream sur Fortnite, ils ont mis plusieurs dizaines de milliers d'euros sur Fortnite, d'accord? Je citerai pas de nom, mais vous voyez très bien de qui je veux parler. Donc, non, 200 euros, c'est rien sur un jeu comme Fortnite. Vraiment, vous vous rendez pas compte. C'est comme des fois, je dis un truc genre... bah, j'ai eu cet appareil photo, je l'ai pas eu si cher que ça, je l'ai eu genre à 600. Mais pour un appareil photo, c'est pas cher. Genre, remettez dans le contexte. Pour votre sandwich jambon-beurre à la sortie du collège, oui, c'est cher, les mecs. Mais à chaque fois, s'il vous plaît, vous verrez en grandissant que la vie est une affaire de contexte, les mecs. Après, c'est mon choix de mettre 200 balles dans Fortnite, tu vois, mais... honnêtement, par rapport à ce que certains mettent, c'est rien. Après, certains trouveront ça cher de mettre autant de thunes dans un jeu, ça c'est un autre débat. Mais par rapport à ce que certains mettent, voilà. C'est à chaque fois que je dis un truc et que je prends des pincettes, en plus je vous ai pas dit, oh c'est rien, c'est 200 euros. J'ai pris le temps de vous, tu sais, je l'ai amené parce que je sais comment certains réagissent. Non, non, c'est bah, MDR. Bref, pas très grave, je sais pas où on va. Salty. Je pense. Tchoc. Sandwich des familles. Sur FIFA, il y en a qui mettent en... Bien sûr. Genre, je vais peut-être vous choquer, mais j'ai mis beaucoup plus dans World of Warcraft, par exemple. Hein. Moi, World of Warcraft, c'est à 4 ou 5 chiffres, hein, ce que j'ai mis dedans, je vous le dis. Hein, sur, au fur et à mesure des années. Donc, 200 euros sur Fortnite, pour moi, c'est rien du tout. J'ai drop trop, trop bas. J'ai chié, c'est pas grave. Ninja sur Twitch, par exemple. Après Ninja, vu les subs qu'il a, c'est pas très grave, mais... Vous avez qu'à sub. Et au moins... En fait, ça a changé ici, non? C'était comme ça. C'était comme ça avant. Ça me dirait, c'est pas grave. Hop là. J'ai déjà regardé la boutique Pray for my sister. J'ai déjà regardé tout à l'heure. Putain, ça y va les pompes.
reviens. J'en ai pas, reviens. Descends, on va voir. Ça. Il y a un truc gratuit dans la saison 4. Bah, le fait de pouvoir y jouer déjà, ouais. Après, encore une fois, il faut bien que. Il faut bien qu'ils gagnent de l'argent, sinon ce serait pas rentable pour eux. Hein, donc. C'est comme. Je sais pas, moi, c'est comme. C'est comme à l'époque, Pokémon Go, tu pouvais y jouer gratuit, mais t'avais quand même des trucs payants. Les incubateurs, les machins, les bidules. Tiens, d'ailleurs, question. Alors là, je pense que par rapport aux gens qu'il y a sur live, je sais pas si ça vous intéresserait, mais est-ce que ça vous intéresserait, là j'y pense, parce que je posais la question hier soir, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo découverte du nouveau jeu Harry Potter mobile? Pas une série, hein, juste, tu vois. Est-ce que c'est un truc qui peut vous tenter ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Je m'en rends pas compte. Parce que ça a l'air d'être sympa et en même temps... En même temps, je sais pas. Ouais, je vois des oui dans le tas. Bon, je verrai du coup. Je verrai, je verrai. Sinon, je comprends pas. Il y a un nouveau. Il y a une nouvelle zone ultra intéressante dans. Parce que ça fait quand même 2-3 games qu'on drop et il y a jamais personne. Alors qu'on est à Salty, on n'est pas non plus dans la zone. Enfin, hier encore, je dropais à Salty, je voyais des mecs, tu vois. Et là, absolument personne, les mecs, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. On m'explique, y'a plus personne. Ils drop tous à Tilted. Est-ce que quelqu'un peut dire à Pray for My Sister que j'ai déjà vu la boutique? Je lui ai déjà dit et il n'a pas entendu, je crois. Je cherche du shield en fait, hein, si jamais, parce que c'est bien gentil, mais j'ai zéro de shield. Donc au premier duel, je suis mort, quoi. Pas forcément, mais... Mais il y a des bonnes chances de crever au premier duel. Donc bon. Ah ouais, putain, là je me rends mieux compte, je sais pas pourquoi, j'avais pas capté, mais je me rends mieux compte de où on est, là. Ah, je vois des mecs en bas, là. Qui ont sauté. Ah, je vois un mec. Je me rends mieux compte de où on est. Enfin, comment dire, j'avais pas réalisé plus que ça, que ça prenait autant. Que ça prenait autant de place sur l'ancienne map, en fait, ce truc. Aim de merde. Je vais tenter un truc. Merde, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde totale. Je connais pas la zone, je pensais qu'il m'avait suivi. En vrai, je vous le dis, ce truc de saut, je sais pas si c'est fait pour moi, tu vois. Faudrait que je m'y habitue parce qu'en vrai, je m'étais dit, ah machin, tu vois, j'ai voulu esquiver ces balles au lieu de build de ce que j'aurais fait normalement. Je sais pas. En fait, faut pas que je change ma manière de jouer en me disant, ah, je peux sauter. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai lu sinon? Attendez. La nouvelle zone de Dusty, quoi? La nouvelle zone de Dusty, c'est une référence à Thor. Ah, j'ai pas vu Thor. J'ai pas vu Thor du tout. Comment on fait pour avoir tes notifs de live sur Twitch? Normalement, tu mets en haut le. Quand tu t'abonnes, quand tu follow la chaîne Twitch, il y a un petit cœur. Et. Enfin, tu peux cliquer sur un petit cœur et normalement tu reçois les notifs. Donc voilà. Normalement c'est ça. Alors du coup, moi je vous avoue qu'il y a une petite déception quand même à ce que la météorite se soit pas crachée sur Tilted.
Je sais pas. Il y avait tout un mystère autour de ça, donc. En fait, c'est pas méchant, mais ils ont un peu lâché la météorite sur la zone la moins intéressante du jeu, quoi. Ceci dit, c'est pas si con. Parce que justement, la zone la moins intéressante du jeu, d'un coup, ils en font une zone intéressante. Donc si, il y a un intérêt, je comprends l'idée, hein. Entendons-nous bien, mais du coup, je sais pas. Moi, j'avais un petit fantasme sur Tilted qui se détruit. Ça m'aurait un peu fait plaisir. Parce que depuis que Tilted est là, le reste de la map est mort, quoi. Donc. J'aurais bien aimé. Normalement, même ici sur la vidéo, tu as un écrou. Et tout en bas, il y a les notifications que tu peux activer. Ah bah voilà, apparemment sur le lecteur Twitch, vous avez un petit écrou quelque part en bas, je pense. Et si vous le cliquez dessus, en bas, vous avez les notifications que vous pouvez activer, visiblement. Donc n'hésitez pas. Ah non, merde. C'est pas mort. Il va dans la baraque, il me faut un truc, vite. C'est de surveiller où est le gars. Il faudrait au moins une AR, un truc. Vu. Ah non, c'était un papillon. J'ai vu un truc, j'étais en mode c'est le gars. Non, pas du tout. Concentre un peu là, j'ai pas envie de tout foirer avec le mec. Ok. Putain, j'ai vraiment de la merde. Faut que je le tue, j'ai pas le choix. Hier je faisais des games sympas, là pour l'instant, comme d'hab évidemment, en stream. Ah, hier j'ai fait un top 1 quoi, donc j'étais là en mode bon cool. Pas rêvé, y a bien un gars. Mais mec, t'es où? Il s'est barré. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon, faut que je me réveille, les mecs, parce que là, je fais vraiment de la merde. Merci, Sif, car je suis à l'hôpital et je ne pouvais pas savoir ce qu'elle allait donner cette nouvelle saison. Encore merci, je change pas, t'es le meilleur. Bah merci à toi, Tiller du 33850, et bon rétablissement. Et d'ailleurs aussi, pardon, il y a Blazer Bandicoot tout à l'heure qui a sub, oui effectivement, qui a resub pour le 6e mois. Et j'ai complètement oublié de le remercier, c'était il y a un quart d'heure. Merci beaucoup en tout cas. Bon, j'aimerais bien qu'on fasse un truc quoi. Tilted a été touché, je crois. Ah ouais? Je sais pas. Je sais pas du tout. Attendez, pardon, j'ai un message. De toute façon, encore une fois, voilà. Là, pour le coup, cette vidéo n'est pas. J'aimerais bien qu'on fasse une ou deux bonnes games, quand même, mais. C'est pas le but premier, quoi. Le but, c'est un peu de découvrir vraiment la saison 4 tranquillou. Et voilà, tout simplement. J'avais envie, en fait, si vous voulez, j'avais envie d'avoir mes premières impressions avec vous. C'était vraiment ça, j'avais envie d'avoir mes premières impressions avec vous, donc. Voili, voilou. The Last of Us 2 sort quand? J'en ai absolument aucune idée. Apparemment, on peut détruire le spawn, on m'a dit tout à l'heure. Enfin, pas le spawn, le lobby, mais comment? Ah, mais putain, j'avoue, avant, je pouvais pas péter les arbres. Ah, nice! On peut enfin, et du coup, je peux construire. Ah ouais, du coup, ça peut beaucoup plus partir en couille dans le lobby, ouais.
Trop cool, trop cool, trop cool. J'ai pu construire. Aïe. Trop bien. Tu te remets bien de la Kings Day de Rennes? Bah écoute, ça va. Je suis un peu malade encore aujourd'hui, mais aujourd'hui il faut que je tourne pour le coup. Mais ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Je pourrais faire un live avec NT sur du Fortnite. Ouais, moi j'aimerais bien, le truc c'est qu'on live pas du tout aux mêmes heures. Lui il live plus en fin d'après-midi. Genre 18 à 20h, et moi c'est typiquement les heures où je tourne, quoi. Ou bien où je suis pas là, ou j'ai des rendez-vous, ou des réunions, donc c'est un peu compliqué, mais il faudrait qu'on essaye. Mais là c'est cool, ils sont malins, hein, Fortnite, de sortir la mage le jour où c'est férié, forcément, ils sont pas cons. Hein. Ils sont vraiment pas cons. C'est très intelligent. Bon rétablissement pour ta gastro, merci. Bon, c'est pas vraiment une gastro, c'est plus un peu de fièvre et. Ah, il y a un cratère là-bas aussi, je crois. J'ai cru voir un endroit avec un cratère derrière le motel. C'est moi qui ai rêvé ou pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Bref, on va voir. Merde, à chaque fois je me plante. Fais gaffe qu'il n'y ait pas un pélo derrière. J'en ai rien à foutre. Merci Farfu pour le troisième mois. Merci beaucoup, il commence à y avoir de plus en plus de... d'habitués, ça fait plaisir. Je refais le même piège, pas les couilles. Donc merci à vous, encore une fois. Je le dis pas assez, mais les subs c'est très 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 cool à chaque fois. Donc merci à vous, vraiment. Et ça aide beaucoup. Du shield, vous connaissez? J'aimerais du shield. J'aimerais du shield. Il paraît que le chapitre 4 de Bendy and the Ink Machine serait sorti. Bah, pff, ouais, faudrait que je vois ça aussi. Mais le truc, c'est que j'ai toujours pas fini le chapitre 3, donc... Donc, je sais pas. Mais ouais, c'est vrai que je l'avais un peu laissé en plan... dans la vidéo avec Brie. Donc il faudrait que je vois ça. Du shield, putain, filez-moi du shield. Putain, pas de shield. Zéro shield. Ah, non, même pas. Prochain épisode de Zelda Breath of the Wild sort... bah aujourd'hui, enfin j'ai pas encore programmé la vidéo mais elle est upload et tout. Ça sort aujourd'hui, yes. J'avais complètement oublié ce détail. Mais oui, ça sort bel et bien aujourd'hui. Hop, on va aller voir là-bas. Je sais pas pourquoi, putain, mais j'ai vraiment l'impression que c'est mort les endroits où je pop, alors que pourtant avant il y avait des gens. Hier j'ai joué pendant deux bonnes heures et je croisais des mecs, tu vois, ces endroits. Et là j'ai l'impression, ou alors c'est peut-être l'heure à laquelle je joue, j'ai pas l'habitude de jouer à cette heure-là, peut-être que, je sais pas, ça peut jouer. J'en sais rien, peut-être qu'il y a moins de mecs, ou tu viens, c'est début de la saison 4. Je sais pas. Mais c'est étonnant, quoi, je trouve vraiment que les villes, on va quand même dans des villes fréquentées, tu vois, d'habitude. Et j'ai vraiment l'impression que y a personne. Saison 4 me fait penser à Stranger Things. Je pourrais pas te dire, j'ai pas vu non plus. Le pire mec qui a rien vu du tout, de rien, tu sais, il sait rien sur rien.
C'est ça en plus, moi je suis informé de rien du tout. Mais vraiment. Tu as Far Cry 2. Je ne l'ai plus. Mais je l'ai eu. Fut un temps. Fut un temps, je l'ai eu. Pas de spoil sur Infinity War. Je l'ai pas vu non plus, vous risquez rien. Moi, les trucs récents, vous risquez rien. Allez, on le casse en espérant que quelqu'un le voit et vienne me voir. J'ai envie de fight en fait, même si on crève, c'est pas grave, mais genre juste j'ai envie de fight. On a raison toujours, ouais. Les mecs, viennent de me voir. Normal, tout le monde est à Dusty. Bah, tout à l'heure, quand on était à Dusty, première fois il y avait 0 personne, deuxième fois il y avait 2 mecs. C'était pas non plus. Ah oui, donc oui, ça a été endommagé vers le motel et tout. Ça a vraiment été endommagé le truc. Stylé. Très stylé. Je cherche du shield. Et des mecs. Merci. Un petit peu quoi. Déjà mieux que rien. Ça, je prends. Hop. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des mecs? Si ça se trouve, pas du tout. Attends, je vais aller voir le cratère. J'ai pas rêvé, il y avait un cratère. Ouais, il y a un cratère là-bas, on le voit. Je vais aller voir ça. Je nie de voir ça. Avec pareil, les... Oh, il y a des chests là-bas. Ouais, cool. Est-ce que ça se casse ces rochers? Ouais, ça se casse. Ah, ça donne du métal! Ah, stylé, les rochers noirs donnent du métal, tu vois? Voilà, petite découverte du jour. Le saviez-vous? J'imagine que oui, mais moi non. C'est cool! C'est cool comme idée. Est-ce que, question, si j'en prends plusieurs, est-ce que mon temps dure plus longtemps? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que l'effet dure plus longtemps? Je sais pas. Je sais pas. Non, apparemment pas. Dommage. Je dois bien avouer que c'est pratique. Après, autant en fight, il va falloir que je m'y fasse à ce principe. Mais là, j'avoue que c'est plutôt stylé et plutôt pratique. Je vais attendre voir s'il n'y a pas des mecs en sortie de zone là. On va voir. Hello les mecs. Merde, j'ai tiré pourtant. J'avais appuyé sur la touche mais il a tiré avant. Ok. Bah le mec est en sortie de zone du coup. Ok. Ah bien, regarde ce qu'on a déverrouillé. Cool. On va la prendre direct. Ah stylé. On se croirait dans un beat'em all ou un... Je sais pas, un Devil May Cry ou un truc. Trop stylé. Ah j'adore cette pioche. Trop classe pour le coup. Je suis bien content. Reprenons. Dans The Last of Us 2, il y aura un chien. Comment savez-vous cela? Mais regarde ce truc. Elle est trop classe. Elle est trop classe. Ah j'adore. Ah, ceux-là ils vont faire que des games de merde. Mais on va faire des... On va looter des bons trucs. C'est ça qui est cool. Mais après est-ce que je sais pas si je suis pas un peu handicapé par mes touches de clavier quand même, je vous avoue. Mais bon, c'est pas censé être une excuse. Mais c'est la réalité, j'ai des problèmes avec mes touches de clavier qui sont... Qui restent enfoncées et tout à cause de mes conneries. Eh franchement, je la trouve super classe. Y'a rien à dire, elle est magnifique. Très classe. Bon du coup, où est-ce qu'on va?
Putain, tu vois, là, j'arrivais pas à enlever mon tab, en fait. C'est horrible. God of War, c'est après, comme tous les jours. Hein. God of War, c'est... What? Il m'a pas fait drop au bon endroit. God of War, c'est tous les jours. Il y a la météorite, finalement. Oui, regarde, là-bas. Là-bas. Mais on va un peu à différents endroits, parce que déjà, c'est un de mes défis. Et parce que il faut... Enfin, il faut. Et parce que, comme ça, en même temps, on... comment appelle-t-on ça? On découvre un peu les différents endroits qui ont été... Tu vois, là, je pense qu'on va aller après à la prison, là-bas, voir un peu le cratère. Donc, c'est plutôt cool. Est-ce que tu feras un let's play South Park? Non, non, non. Je ne pense vraiment pas. Est-ce que j'arrive à popper là? Eh bien, non. En vrai, ce qui m'handicape le plus, c'est ma touche print. On serait bien d'avoir une arme, parce que c'est pas avec ça que je vais faire le move. Putain. En gros, c'est soit... Merci. C'est soit les shields, soit les armes, tu sais. C'est trop ça. Mon dernier top 1, ça remonte à hier soir. J'en ai fait un petit hier soir qui était sympa, je l'ai mis sur Twitter. C'était en reprise et tout, puis il était sympa. Avec les météorites qui popaient dans la gueule là. Truc bien fort. Putain, j'adore, les mecs, j'adore cette pioche. Cette pioche est géniale, je crois que c'est ma préférée de toutes celles que j'ai eues. Vraiment, elle est... Je la trouve, c'est une dinguerie le truc. Je la trouve géniale. Elle est où la zone? Oh putain, sa mère. On va pas tarder à bouger. On bouge. Y a un mec. Putain. Attention. C'est une blague? Merci quand même. En fait, j'ai eu peur de ces grenades collantes. Il m'a un peu fait flipper avec ces grenades collantes. En vrai, le pompe comme ça est sympa, mais t'as vu, à un moment j'ai tiré, genre je l'avais dans mon viseur, mais ça s'est pris le truc du dessus. Enfin, ça s'est pris le rebord, ça j'aime pas parce que ça. J'ai l'impression qu'ils ont changé ça. Je suis pas sûr, hein, mais j'ai l'impression qu'ils ont changé ça par rapport à avant. C'est-à-dire qu'en gros. Genre t'es, j'étais genre comme ça. Tu vois. Et bon là ça a pas l'air de l'avoir fait, mais en gros. Et ça a tiré sur mon rebord au lieu de le toucher lui la première fois. J'étais là en mode ouais mais c'est pas normal. Je devrais essayer à la manette. Ouais tu penses? À la manette honnêtement ça m'attire pas quoi. Et je sais qu'il y a des gens qui jouent à la manette. Mais honnêtement je sais pas hein. Ouais, un jour j'essaierai peut-être. Mais je t'avoue que le FPS à la manette c'est pas ce qui m'attire quoi. Enfin c'est plus ce qui m'attire. Elle est longue la mage. Bon elle a mis un petit 5-10 minutes à se faire. Mais j'ai une bonne connexion donc c'est peut-être pour ça. Je sais pas. Je sais pas du tout combien elle pèse la mage. Je ne saurais pas vous dire. Ok. Putain, on va avancer. Tant pis pour la prison mais là vu comment c'est loin faut qu'on avance hein. Et t'as vu, heureusement qu'il a pété l'arbre sinon je l'aurais pas vu hein. Je la trouve trop classe. Mais tu vois justement, aussi je fais exprès de péter l'arbre. Je pense qu'il y a des mecs qu'on pourrait choper en sortie de prison. Ouais, moi maintenant je fais exprès de péter les arbres.
3 gigas elle fait. Alors certains disent 10 gigas, certains disent 2 gigas, certains disent 3. 3,3 gigas sur PC, 1,1 giga sur mobile et 10 gigas sur Xbox. Tout s'explique. 10 gigas sur Xbox. Mais pourquoi? Pourquoi 10 gigas? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Ou alors c'est juste que la Xbox avait des matchs de retard peut-être, c'est quoi l'histoire? Du coup il rattrape. Je sais pas, mais c'est hallucinant de... C'est bizarre. Ça c'est fight là. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des mecs? On va voir vite fait ou... J'arrive plus à appuyer sur ma touche de map, c'est horrible. En fait, je me dis, il y a peut-être un mec qui est en train de loot pas loin. Écoute. Avançons, sinon on va se faire attraper par la zone. 2,3 gigas sur PS4. Je veux pas lancer une guerre des consoles encore une fois, mais autant le débat Xbox 360 PS3, je pouvais comprendre les points de vue de chacun, autant aujourd'hui quelqu'un qui me défend la Xbox One autre que pour ses éventuelles exclusivités, je ne comprends pas. Hein. J'ai une Xbox One, hein, mais bon. Voilà. voilà quoi, on s'est compris. Déplace ta tête. Voilà. Ah, j'ai déjà expliqué le cadre machin et tout. Désolé. Okay. Sur Nintendo 64, c'est combien hein, je ne sais pas. 30, je vais me grouiller parce que en vrai, je suis assez loin. Il reste que 50 secondes. Je vais me faire niquer par la zone. J'ai été trop lent. Bon, je vais être un peu dans la zone, mais j'ai de quoi me soigner, ça va. On va avancer, on va courir. Très vite. On s'arrête plus. J'ai voulu trop chercher des mecs, et du coup, voilà. Je vais être un peu dans la zone, mais c'est pas très grave. Voilà, pas de beaucoup, ça va. Allons-y, let's go. Chez moi, j'ai régulièrement le logo de chargement qui apparaît sur live et qui le stoppe tout le temps. Ah, ça c'est pas normal. Ça doit être ta connexion parce que les gens me voient en live. Hein. Il n'y a pas de problème d'image perdue, de drop ou quoi que ce soit. Donc ouais non c'est pas très normal on va dire. Là. Tu as largement le temps. La preuve que non. Mais ça va, regarde. La question c'est où est la prochaine. Putain mais les mecs, j'ai quand même drop à Lucky Landing. T'as vu, on va finir à Junk Junction quoi. J'en peux plus. C'est quoi ces trucs où on traverse toute la map. Au secours. Là-dedans, mec, non. Du coup, là, c'est. La game se résume à. Cours tout droit, cours tout droit, cours tout droit, cours tout droit. Ça, un peu. J'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de gens. Pour The Last of Us, le vice-président de. Vice-président de Naughty Dog a mis une photo d'un chien. J'en ai rien à foutre! Dans une salle de motion capture. Ah! Intéressant. Merci Vivi pour le sub. Bienvenue. Bienvenue parmi nous. Putain mais me le fais pas comme ça. Fasse gaffe à la zone. Putain, merde. Ouf. Le mec est réactif.
Waouh, le mec, laisse tomber quoi. Waouh, le mec, là, il était chaud. Hein. Déjà tout à l'heure, à peine j'ai sorti ma tête, la balle, elle m'a frôlé. Le mec, il était chaud, hein. Putain. Waouh. Genre, j'aurais pas dû perdre mon temps avec lui, j'aurais mieux fait d'avancer, parce qu'alors lui, il était bouillant. Hein. Ouh. Même une tête. Pouah, mon gars, j'ai rien compris. Tu l'as jusqu'à quelle heure? Quelle heure il est? Il est 13h20. Ah, mais tu vois, mais moi, mourir par des mecs comme ça me dérange tellement pas, je suis en mode. Prends, mec, vas-y, prends-le, ça me fait plaisir, vraiment, prends mon kill, ça me fait plaisir. Mais ouais, non, non, jusqu'à quelle heure je stream, je sais pas, il est 13h20, on va dire jusqu'à 14h, je pense. Ouais, 14h, ça me paraîtra bien, je pense à peu près. Tu as oublié de déplacer ta cam. Les mecs, non, j'ai pas oublié de déplacer ma cam, c'est fait exprès, comme je vous l'ai dit. Tu peux améliorer ton skin. Faudra que je vois. Bon, franchement, on a vraiment pas fait des games de ouf quoi. Hier, je vous dis, hier, j'ai fait un top 1 tranquille dans mon coin. Je comprends pas pourquoi dans mon coin ça se passe mieux à chaque fois, c'est dingue. Ça rend ouf, c'est toujours comme ça, c'est chiant. Est-ce que je réessaie de dessiner Linklou encore plus mignon que Farod? Vas-y! Vas-y! Ils sont où les chats? Ils sont dans la chambre, ils sont posés tranquillement. Ciao, bonne fin de live. Ciao, Razabi. On est déjà allé à deux styles, les mecs. Ouais, là, il y a un cratère aussi à gauche. J'essaie d'aller un peu à différents endroits de la zone pour voir un petit peu ce qu'il y a. Derrière cette maison, elle y était? Ah oui, c'est la maison un peu hantée, machin, là, non? Enfin, ce que moi, j'appelle la maison hantée. Va pas être tout seul, ici. Pas me filer une AR, un truc. Non, vraiment. Tous les coups, la zone va finir à... Non, c'est bon, je suis dedans. Enfin, elle pourra finir ailleurs, peut-être, mais... Ça va. Moi, j'aime bien aller chercher les mecs. Ça a construit par là-bas. Bah tu vois, pourtant il me manque un pompe, mais... J'aime bien quand même. Ok. J'avais vu le mec, mais il s'était barré depuis. J'ai voulu tenter. Putain, j'ai pas de construit du tout. C'est la merde. Oh putain! Sans déconner. J'ai vraiment pas de bol quoi. J'ai vraiment vraiment pas de bol. Ça fait deux fois. Je lui ai mis une tête, mais qu'est-ce que tu voulais faire? Putain, fais chier ce putain de piège de merde, j'en ai marre quoi! Oh là là! Ça fait deux fois. La non-chance. Survivre aux adversaires en section, c'est vrai que j'ai des trucs là. Est-ce qu'on irait pas en section? Juste pour faire les défis quotidiens au moins, tu vois. Atterrir dans des lieux, à des lieux dits différents. Ah, j'avais pas vu ça! On va le faire ça. Tadam.
Ça a changé à Mostimir, il y a une lettre pour le défi. Une lettre? J'ai pas dû voir. Mais ouais, c'est frustrant de se dire, tu sais, tu fais des bonnes games, évidemment, quand tu filmes pas, comme d'hab. Quand tu filmes, tu fais de la merde. C'est dommage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, go. Donc on va atterrir à des endroits différents. Où est-ce qu'on n'a pas atterri encore? Des lieux dits différents. On va atterrir à... Grisy? Allez, Grisy. On va atterrir à Grisy. Tu live cet après-midi ou ce soir? Bah je live déjà cet après-midi. Donc non, je ne liverai pas à un autre moment, je pense pas. Mais c'est le live de début d'après-midi, tranquillou, où on découvre la saison 4. Qui est très sympa, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Ce serait bien que le skill suive, mais bon, c'est pas très grave ça. On en a l'habitude. C'est pas... Ah ouais, Snobby, tiens, on va aller à Snobby. Quoi que je sais pas, parce que... Bon, on va aller là. J'aime quand ça démarre comme ça. Rien du tout. Rien du tout. Ah vraiment. Allez prendre le coffre. J'ai vraiment... Putain il était vraiment là le coffre mais on l'entendait quasi pas. C'est ouf. Ah non non non. Il est où? Il est en dessous, je sais plus. Il est où ce foutu coffre? Il doit être dans le toit juste à côté. J'ai pas forcément l'habitude de drop ici. Ah il est là. Autant pour moi. Voilà. Ok. Plus loin dans l'émission du pass de combat, tu pourras améliorer ton skin et tu pourras lui mettre un casque et une armure. D'accord. Bon à savoir. Bon à savoir, bon à savoir. T'as fait quoi à ton clavier? J'ai renversé du jus d'ananas dessus. Ce qui fait que sur toute la partie gauche, ce qui fait que les, on va dire de toutes les touches A, E, machin, machin, mes touches pour avancer, mais surtout ma touche de sprint, enfin ma touche mage, ma touche tab, tout ça, en gros tous les trucs utiles à Fortnite, tu vois. Je suis très content. Et c'était pas en jouant à Fortnite en plus, en écrivant un tweet, c'est ça le pire. Mais globalement, toutes ces touches-là sont toutes pégueuses et du coup restent enfoncées. Donc ça me fait chier, du coup je vais être obligé de racheter un clavier, j'ai pas le choix parce que je peux pas rester avec un clavier comme ça quoi, c'est vrai. Ça va que c'est un... je suis pas le genre de mec qui a des claviers de fou. J'en ai rien à foutre. Merci Madebo pour le 4e mois, merci, bienvenue. Enfin, re-bienvenue. Je suis pas un mec qui achète des claviers de fou et tout, moi c'est un petit Logitech, Carrefour, tout ce qu'il y a de plus simple. Parce que j'avais pas envie d'un clavier mécanique avec le micro-pied. Mais ouais du coup... Du coup voilà. Du Overwatch, honnêtement, je sais pas. J'ai lâché maintenant Overwatch, faut vraiment vous le dire. Je suis sur Fortnite en fait, hein. Sur d'autres jeux, mais là, globalement, voilà quoi.
que je fasse gaffe aux pièges. On sait jamais. Hop. Je récupère un peu des trucs en même temps. Les petites construits. J'essaie de plus en plus de prendre les matériaux qu'il y a là, parce que mine de rien, ça se pète direct et ça donne pas mal. Et encore une fois, on était dans une zone qui était en plus sur le passage quasi et tout, quoi, mais... Personne. C'est dingue. Ils sont tous, soit... Ils sont peut-être tous allés à la météorite, et le seul moment où moi je suis allé à la météorite, il y avait personne, tu sais, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Bon, ce stuff, quoi. Il est où le... J'ai entendu un chest tout à l'heure. Non. J'ai vraiment cru entendre un chest. J'en ai rien à foutre. Merci Naito. Merci beaucoup. Bah écoutez. C'est une game très calme. Dans une grande ville, il n'y a personne. C'est triste. On va aller voir là. Je crois que j'ai vraiment fouillé. J'ai pas fouillé toute la ville, mais j'ai bien fouillé quoi. Moi je suis content des... C'est moi qui suis venu là ou pas? J'ai un doute. Je pense pas que ce soit moi qui suis venu là. Je suis content des... De ce qu'on a eu là, des... du skin, des... De tous les petits trucs qu'on a eu, je suis assez content. Je les trouve très sympa donc... la pioche est géniale. Je suis fan de la pioche. Donc, je suis très 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 content. Je me demande quel sera le système de la saison 5. Bon, on verra dans 2 mois à peu près. J'ai vu, c'était dans 69 jours la fin de la saison. Ça va. Pour l'été à peu près. Ça va, ça va, ça va. J'aurais pas dû faire ça. Ok. Ok. Écoutez, c'est très calme. On va aller vers la zone et puis on va voir. Donc. C'est pas le mec qui avait derrière le buisson. Sûr que si c'était. Donc ça c'est le mec qui était dans la ville avec moi je pense. Et qui a drop un snipe, mais je sais pas où il est. J'étais persuadé qu'il était dans le buisson là. Ah non, c'est pas lui. Hein. Allez, je suis un fou. Allez. Hop. On va prendre ça.
Et... Putain, je sais pas. Est-ce qu'on prend le snipe ou pas? Au pire, on va faire ça. J'aime pas sur le principe, mais... Allez. On va faire ça. Ça, j'aurais quand même un sniper avec moi. Ce qui est plutôt pas mal. Par contre, il avait pas de construit, hein, du tout. J'aurais bien aimé, parce que là, je manque clairement de construction. Ah, j'ai loot des arbres, hein, écoute. Ah, il avait deux kits en plus, le mec. Putain. Ouh, il doit rester des gens à titre. Ah ouais, regarde le mec là. Tu le vois le mec en 70 là? Qui s'est fait un fort immense. Là-bas là. Voilà. Vu. Oh putain! Je vais trop, parce que vu que je sais qu'il y a du bullet drop, je tente, tu sais, mais du coup je vais trop. Et je me fais niquer. Dommage. Il était facile celui-là à prendre. Putain, et il m'a mis tarif en plus. Mec. Il m'a mis tarif. Est-ce qu'il vient me rush? J'ai plus assez de... Ah, je suis mort, j'ai plus de constru. J'avais plus de constru, putain, merde, dommage. Dommage, 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 dommage. Bon, c'est pas grave. Tu sors quand le prochain épisode de FK? C'est tous les deux jours, le FK, donc à partir de là... C'est dans... Il est sorti quand, le dernier épisode? Hier? Ouais, bah donc c'est demain. Voilà. Bon, les amis, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter là, je vais aller manger, parce que normalement j'ai pas bouffé. On aura quand même découvert pas mal de trucs, on aura eu des petits skins et tout. Bon, je suis désolé, il y aura pas eu de grosses games, mais c'est pas très grave. On se réservera ça plutôt pour les vidéos best-of. Là, l'idée c'était de vous montrer un petit peu, enfin de découvrir et de montrer aussi à peut-être ceux qui n'avaient pas vu ce que ça pouvait donner. Franchement, j'aime bien, je trouve que ça apporte une très très bonne ambiance. Mais après, tu vois, et c'est normal, genre l'ambiance que là tu vois en fond, j'aurais bien aimé vraiment la retrouver dans le jeu et tout. Pourquoi pas un peu plus un ciel noir ou par endroit, je sais pas. Mais bon, globalement elle est très sympa. Donc voilà, il te restait 140 de bois. Mais pourtant, Squall Knight, tu re-regarderas. Je tente de construire plein de fois et ça a pas voulu. Donc je sais pas. Je sais pas, moi dans la précipitation j'ai pensé que j'avais plus de bois. Ça n'a pas voulu construire plusieurs fois, j'ai voulu mettre des murs et tout et ça a pas voulu. Bref, c'est pas grave dans tous les cas. Sur ce, je vous laisse les amis, merci d'être venus. On se dit à très vite, portez-vous bien. Et puis à bientôt, ciao. Thank you.